En Iran, le Conseil des gardiens a donné son feu vert à 6 candidats, dont le président du Parlement ultra-conservateur, pour participer à l'élection présidentielle du 28 juin prochain. Cette décision vise à remplacer le président Ebrahim Raisi, décédé dans un accident d'hélicoptère le 19 mai dernier avec son ministre des Affaires étrangères et 6 autres personnes. Parmi les candidats approuvés figurent le président conservateur du Parlement, Mohamed Bagh Ghalibaf, et l'ancien négociateur nucléaire ultra-conservateur, Saïd Jalili.